Welcome to the sunset ceremony at the Royal Canadian Mounted Police Depot Division. Greetings to those of you who are joining us virtually today. Bienvenue à la cérémonie du crépuscule à la division dépôt de la Gendarmerie Royale du Canada. Salutations à tous ceux qui se joignent à nous virtuellement. The RCMP Academy Depot Division is located in Treaty 4 territory. In this time of reconciliation, we believe it is important to recognize and to give proper recognition and honor to the original Treaty 4 nation of this land. These are the territories of the Cree, Soto, Dakota, Lakota, Nakota, and the homeland of the Métis-Mi'kmaq nation. L'école de la GRC, Division Dépôt, est située sur les terres du traité numéro 4. En cette époque de réconciliation, nous croyons à l'importance de reconnaître et d'honorer convenablement les nations originales du traité numéro 4 de ces terres. Nous nous trouvons sur les territoires des Cree, Soto, Dakota, Lakota, Nakota et les terres natales de la nation Métis, Mi'kmaq. We would like to take this opportunity to dedicate tonight's ceremony to all the frontline workers who tireless hours have kept us healthy and safe during the pandemic. Thank you so much for your unwavering dedication to Canadians during such a difficult time. Nous voulons profiter de l'occasion pour dédier la cérémonie de ce soir à tous les travailleurs de première ligne qui ont travaillé sans compter les heures pour assurer la santé et la sécurité de tous durant la pandémie. Merci du fond du cœur pour votre dévouement indéfectible envers les Canadiens durant ces moments difficiles. The sunset ceremony takes place on historic Slay Square, named after Corporal Ralph Bateman Slay, who was killed on May 2, 1885 during the Battle of Cutknife Hill. Only during parade and special ceremonies are pedestrian and vehicular traffic permitted on the parade square. La cérémonie du crépuscule a lieu dans notre historique carré Slay, nommé en l'honneur du caporal Ralph Bateman Slay, tué le 2 mai 1885 pendant la bataille de Cutknife Hill. C'est seulement durant les défilés et les cérémonies spéciales que la circulation automobile et piétonnière est permise dans la cour d'honneur. At this time, I would like to present Saskatchewan artist and Depot Division employee, Christiane Blondeau, who will perform our national anthem. Nous souhaitons maintenant vous présenter Christiane Blondeau, une artiste saskatchewanaise et employée de la Division Dépôt qui chantera notre hymne national. Oh Canada, our home and native land, true patriot love in all of us command, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix, ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard. There will now be a demonstration of artillery drill followed by dismounted cavalry drill by our cadets. While firing cannon is only done on ceremonial occasion, dismounted cavalry drill is an integral part of the cadet training program. The aim of foot drill is developed in the cadet a sense of confidence, alertness, discipline, and self-control that will enhance their ability to remain professional, even in the face of aggression or insult. It will also give them the capacity to act decisively with a calculated and measured response. Les cadets vont maintenant faire une démonstration du tir au canon, suivie d'un exercice de cavalerie à pied. Tandis que le tir au canon est réservé aux cérémonies, les exercices de marche militaire font partie intégrante du programme de la formation des cadets. Le but des exercices de marche militaire est de donner aux cadets un sentiment de confiance, de vigilance, de discipline et de maîtrise de soi, qui les aideront toujours à garder un comportement professionnel, même face aux agressions ou aux insultes. La marche militaire permet aussi d'améliorer sa capacité à agir de façon décisive et résolue en adoptant une réponse réfléchie et mesurée. The cadets are now preparing the cannon for live firing.
Les cadets préparent maintenant les canons en vue du tir. Canon! Number one gun, prepare to load! Canon numéro 2, préparez canon! Charge, bud! Load! Number one gun, load! Canon numéro 2, chargez! Elevation 800! Number one gun, ready! Canon numéro 2, prêt! Number one gun, fire! Canon numéro 2, filez canon!
Thank you.
The sunset ceremony is based on a military custom of lowering the flag at the end of the working day after all personnel have returned to the post. The cadets are now preparing to lower the flag. The flagpole was erected by members of Troop P on September 14, 1943, and honors the RCMP's link to our naval traditions. La cérémonie du crépuscule est basée sur une ancienne tradition militaire. Au crépuscule, lorsque tout le personnel avait regagné ses quartiers, le drapeau était descendu pour marquer la fin d'une journée. Les cadets s'apprêtent maintenant à descendre le drapeau. Le mât a été érigé par les membres de la troupe P le 14 septembre 1943 en honneur des traditions maritimes de la GRC. The bugler call played during the lowering of the flag is called the retreat and traditionally marks the end of the official day. While more modern means of maintaining the training schedule are now utilized, the cadets of Depot Division still begins every day with the bugler called réveil and end each with retreat. La chanson jouée au clairon pendant la descente du drapeau s'intitule The Retreat. La tradition veut qu'on la joue pour indiquer la fin officielle de la journée. Le joueur du clairon avait un rôle central à la GRC, puisque ses appels durant la journée indiquaient aux troupes les diverses activités en cours. Aujourd'hui, nous utilisons des moyens plus modernes pour gérer l'horaire de formation des cadets. Mais chaque jour à la division dépôt commence par le réveil et se termine par le retreat au clairon. Cover! Fight! God Save the Queen will now play to end her sunset ceremony. Queen Elizabeth, as well as being Queen of Canada, holds the honorary appointment of Commissioner-in-Chief of the Royal Canadian Mounted Police. Pour conclure notre cérémonie du crépuscule, nous jouerons maintenant Dieu protège la Reine. La Reine Elizabeth II, en plus d'être la Reine du Canada, est la commissaire honoraire en chef de la Gendarmerie royale du Canada. Thank you.
This concludes the sunset ceremony for 2021. We want to thank cadet and staff who assisted with the creation of this virtual event. Without their time and effort, this event would have not been possible. Happy Canada Day to everyone. C'est ce qui met fin à la cérémonie du crépuscule 2021. Merci aux cadets et aux employés qui ont contribué à la création de cet événement virtuel. Sans leur temps et leur travail, un tel événement serait impossible à faire. Bonne fête du Canada à tous.